Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme d'habitude, c'est toujours patatou l'enrhumé. C'est le dernier jour, vous inquiétez pas. Demain, tout rentre dans l'ordre. Normalement, du côté de la voix. On a plein de choses à voir les amis, des skills de ouf, minimum pour chaque commandant, un rallye de dingue durant 3 heures. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, c'est ultra simple, vous cliquez dessus et vous pourrez retrouver tout ce que vous voyez sur toutes les vidéos. Les amis, commençons tout de suite par les events. On le voit, on arrive à la fin des events de Noël. C'est même quasiment fini. Il reste 15h59 minutes et 56 secondes pour récupérer ou finir. Récupérer soit ce que vous avez en trop. Vous ouais, voyez, j'échange mon, mon nombre de bonhommes de neige, mon boule de neige en trop. J'ai fini, comme je vous l'ai dit, les deux fils. Je n'ai pas débloqué. La troisième, elle n'est pas rentable, donc n'y allez pas. Elle est vraiment toute nasse, sérieusement. Sauf si vous avez 10 euros en trop. C'est si 10 euros en trop, vous pouvez même les envoyer, ça fera toujours plaisir. Mais vous le voyez, rien de particulier. Dès demain, on aura les illuminations et le spectacle pyrotechnique. On pourra en parler demain. Sinon, c'est fini, pas d'événements particuliers. On attend la suite, on attend des événements spéciaux pour le jour de l'an. Normalement, pour le jour de l'an, on aura un pack pour finir. Et avec les derniers packs de Noël, je vous le rappelle, le pack invitation de Noël est vraiment éclaté au troisième sous-sol. Donc ne le prenez pas. On va avoir des packs normalement pour la nouvelle année également. On va voir ce que ça vaut. Mais pour le moment, le pack de Noël, il était vraiment, vraiment tout naze. C'est tout du côté des events. Hein. Vraiment rien de spécial en cette fin de semaine. On va parler, les amis, comme je vous l'ai dit, de skills et de skills minimum. Vous me demandez souvent au niveau des commandants quels sont les skills minimum. De chaque commandant pour qu'il soit utilisable et vraiment de manière minimum en mettant le moins de sculptures en or possible, surtout pour les free players ou les middle spenders. Et eh bien un des abos m'a partagé un screen qui est vraiment très intéressant. Je vous le montre tout de suite, les amis. Vous l'avez déjà sur le Discord. Je le trouve vraiment très bien fait et très intéressant. Alors je ne sais pas quelle est la source. Merci à celui qui l'a fait. Hein. Je n'hésiterai pas à le créditer. Si me contactez, comme la dernière fois d'ailleurs, Shizgul m'a contacté pour un crédit de son tableau. Hein, je l'ai rajouté en dessous de la vidéo. Vous avez le commentaire, j'ai tout laissé. Regardez donc, ce tableau est très bien fait et vraiment très intéressant. On le voit, il y a d'abord les commandants qui ont été classés en haut à gauche en 5-5-5. Et un donc forcément un sac 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 et que dalle quoi eh bien on a tout un tas de commandants qui sont dans cette liste là on retrouve déjà Alexandre Alexandre je vous l'ai dit il est énorme et cible n'hésitez pas à le prendre donc voyez le titre hein, minimum skill distribution pour l'open field attention on est bien sur de l'open field Saladin fonctionne aussi en triple 5, 1. très bien William premier bon le sid pour moi le sig dans l'open field il n'a rien à faire vous le dégagez Ramsès triple 5, 1. Alexandre et Takeda, pareil. Takeda, pareil pour moi, vous ne l'utilisez pas en open field. Donc Takeda et le Sid, laissez-les de côté. Les autres, Saladin, Guillaume Ier, Ramsès et Alexandre sont vraiment du sûr. Si vous êtes un Low Spender ou un Middle spander, le premier à focus là-dessus sera Alexandre ou Saladin qui vous serviront vraiment beaucoup par la suite. J'aurai une préférence pour Alexandre pour le coup en open field il vous permettra de durer plus longtemps. On a également les commandants en 5-5. X, donc ce que vous voulez 5 Donc 5, 5, 1, 5 Faut avoir de la chance hein, Parce qu'on peut pas bloquer Exactement comme on veut Tous les skills Alors le triple 5, 5 1 C'est super facile Le 5, 5, X, 5 Je vous invite à réessayer Plusieurs fois Dans la liste qu'on a là On a Minamoto Minamone Franchement Je vous invite à ne plus le monter Ce commandant Est vraiment obso Il n'a jamais vraiment été énorme Sauf au tout début du jeu César Pareil Ne le montez pas Ne faites pas d'open field Avec Il ne vaut pas le coup bête second, pareil, il a beau être utilisable en 5-5 x5, on l'utilise pas. Martel, très bien, évidemment, il faut le monter. Dabuko de pareil, très bien, mais là, si vous êtes à lospander ou à euh, enfin, un middle ou un low ou un free player, Dabuko n'est pas à votre portée les amis, donc laissez-le de côté. Et pour finir, on a Frédéric Premier. Frédéric Probier, Bon, pareil, hein, il sert pas à grand-chose. Donc dans cette liste-là, des deux que je valide, c'est Martel et Nabucodonosor Second. Avec Focus Martel, de préférence, selon votre profil. Si vous êtes un low spender et si vous dépensez plus dans le jeu, vous pouvez aller sur Nabucodonosor Second. Passons à présent en bas à gauche au 5, 5, 5, 5. Donc les commandants qui peuvent être utilisés en Open Field B qui doivent être expertisés. On va commencer par le dernier de la liste. La dernière. Est-elle Évidemment, est-elle Elle est facile à expertiser. Donc fausser, elle est très bien en open field. Une fois qu'elle est expertisée. Mais attention, elle est très bien en soutien. Elle n'est pas au front directement. Avec elle, elle ne va pas tanker. On a aussi Sirius, second. Il est très bien. Mais accessible uniquement aux baleines. Vraiment. Ou aux bons middle spender, high spender dans le jeu. On a bien évidemment Barca qui ne sert plus à rien. On a qui est comme Charlemagne. Pour moi, franchement, Barca. Il n'a jamais été très très utile. On a Edouard II. Alors si vous n'êtes pas au KVK 1 ou 2, Edouard II, je vous le déconseille. Et même si vous êtes au KVK 1 ou 2, Edouard, il est vraiment tellement dépassé par la suite, par les autres archers, qu'il ne sert vraiment à rien. Je vous invite à ne pas le monter. Moi-même, je l'ai expertisé. Je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi, de ne pas l'expertiser. Franchement, il n'est pas top du tout, Edouard Segond. Je regrette d'avoir investi des sculptures en or dedans. On continue avec donc Chandra, Chandra très bon, évidemment il doit être expertisé si on veut l'utiliser, commandant secondaire, pas en frontal, vous pouvez l'utiliser en premier à la rigueur si on, il est utilisable en, en premier, surtout s'il c'est expertisé, moi ouais, évidemment je le mets en binôme avec le Roi du Chocolat et on a quelque chose de très solide. Attila qui doit être expertisé, évidemment, Gengis Khan très bon commandant en binôme avec Saladin au début du jeu, par la suite il devient un peu opso et on finit avec le boss. YSG, je vous l'ai toujours dit, YSG Alexandre, c'est les deux premiers commandants, ou YSG Guan, sont les deux premiers commandants à focus. Et donc, ces commandants-là, YSG, euh, Jadis Khan, Attila, Chandra, Edouard, Barca, Sirius et Talfeda, ne sont utilisables en open feed qu'une fois expertisés. Ne les utilisez pas à jouer, vous allez manger vraiment sévèrement vos dents. Je suis vraiment d'accord avec ce tableau, c'est pour ça j'ai décidé de vous le partager, et de vous le montrer. Vous posez tellement souvent la question, vraiment prenez-le, enregistrez ce tableau, récupérez-le sur le Discord, il vous servira très souvent. Qui est utilisable en Open Field en 5-5 XX 5-5 1-1 On a donc Richard, Richard vraiment premier, il est vraiment utilisable dès le départ, c'est ça qui est bien avec Richard, dès le double 5-1, de pas beaucoup de sculptures pour arriver au double 5-1 et pas beaucoup d'étoiles, donc foncez. On a évidemment Constantin. Alors Constantin, là, c'est l'un des commandants pour lequel je suis partagé. Pour moi, Constantin n'est pas vraiment utilisable avant l'expertise. Il y a une telle différence entre Constantin, quand il est commandant principalement secondaire ou en binôme avec Mulan et en premier, entre le fait quand il est premier ou quand il est expertisé et non expertisé, la différence est tellement importante que de mon point de vue, il faut attendre l'expertise pour notre ami. Constantin parce que il, il est vraiment trop faible de sans expertise. Pareil pour Léonidas. Là c'est les deux commandants 5-5 1 1. Moi je valide pas. Je les utiliserai. Tu fois expertisé. Constantin ça montera tout seul. Le focus est pas ce commandant là. Léodidas je vous invite à même pas le focus du tout. Excepté si vous êtes une baleine ou un expander. Moi aussi. Je l'ai expertisé. Si c'était à faire, je pense que je ne le referais pas et j'investirais sur un autre commandant en priorité, comme, comme le roi du chocolat par exemple. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps. On a aussi Harald. Harald, très bon commandant en double 5, double 1. Évidemment, il est utilisable. Et Artemis aussi, elle est utilisable en double 5, double 1. Même si c'est pas oufissime en double 5, double 1. Franchement, vraiment, elle aussi en expertise, elle est vraiment beaucoup plus forte. On passe au 5xx5. Alors là, il va falloir quand même avoir de la chance pour réussir à faire un 5 au début et un 5 à la fin parce que c'est tendu au niveau. Si vous faites 5-1-1-5, vous êtes vraiment le roi de la bitch là parce que pour le coup, c'est euh, possible de réussir à faire ça. Tobiris, évidemment, en 5xx5, elle est utilisable, elle empoisonne, elle est solide. Au tout début du jeu, en avec Edouard, elle est sortie en même temps qu'Edouard. C'était un bidôme de ouf. Et Mulan. Mulan, un très très bon commandant. Moi-même, je ne l'ai pas en 5xxx5. Je l'ai en 5 5 2 Et je ne l'ai pas débloqué euh, pour la suite. Je pourrais d'ailleurs euh, la débloquer. Elle est excellente en commandant secondaire, en bidôme, en soutien avec Costanta. C'est un bidôme de ouf. Et ça apporte vraiment des bons buffs sur vos troupes qui sont au combat. On finit donc avec les 5x5-5, 5, déjà plus, ré euh, plus réalisable qu'un 5-1-1-5, ça si on faire un 5-1-5-5, et là on retrouve les commandos classiques, on retrouve une double, ah je vous ai dit Arad là-haut, c'était pas Arad en 5-5-1-1, pardon, c'était Trajan, Trajan, excellent commandant de soutien. 5 5 à -1, 1 Évidemment, il est utilisable. Trajan en 5 5 à -1, 1 Très bon commandant de soutien. Vous pouvez la mettre, le mettre aussi en binôme avec, euh, avec Mulan. Et lui, c'est tout aussi solide. Pas Harald du tout. Harald, évidemment, il s'utilise en 5. X55, alors là je vais avoir des gens qui vont accélérer la vidéo, des abonnés, des patates qui vont me dire Ah tu t'es trompé, c'était n'est pas à râle. faut écouter la vidéo jusqu'au bout les amis. Donc guan 5X55 évidemment ultra solide et utilisable en open field. Moi je l'utiliserai même avant cela Guad parce qu'il est vraiment très bon en open field même avant. KOKO, il est à ne pas utiliser en open field. Du tout, vous êtes détente, franchement. Au cas où vous l'utilisez en open field, vous allez mourir, c'est très simple. Et pour finir, Aral, donc 5x55, très solide, aucun doute, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Un excellent commandant d'open field, un excellent commandant rallye, un excellent commandant Aral, c'est pas le meilleur, mais ça reste un commandant très solide et un très bon investissement. Voilà pour tous les commandants et les minimum skill distribution pour attaquer en open field et de manière efficace. Les amis, comme promis, on passe au rapport. Dans la vidéo de lundi, je vous ai montré un rallye de ouf sur le 1860. Eh bien, j'ai récupéré le rapport de ce rallye, mes meilleurs abonnés. Merci à vous. Me l'ont fait parvenir. Regardez, ce rallye a commencé à 11h18. On a vu la fin en plus du rallye, c'est ça qui est bon. Il a commencé à 11h18 et 54 minutes. Oh je dis la fin, on a plutôt vu le milieu. Et il a terminé à 14h12 et 58 minutes. Le rallye a duré plus de un tout petit peu moins, pardon, de 3 heures, les amis, est énorme, très rare de voir des rallies aussi longs. Franchement, c'est l'un des rallies les plus longs que j'ai vu ces derniers mois. Je ne sais pas si c'est pas le plus long que j'ai vu ces derniers mois. Alors qu'est-ce que ça a donné un rallye de ouf Regardez hein. Il y a tellement de renforts hein, que c'est que des poids alignés. Un jour, franchement, ça va bugger le truc tellement. Ça va être long. Ça se trouve, ça a déjà bugué une fois. Vraiment un rapport de ouf. Et regardez, on a le détail complet même avec les bonus et les balus que je vais vous montrer enfin d'attaque, de défense, de santé. Regardez donc ce que ça donne. On a d'un côté moins 352 millions de, de points. C'est énorme de puissance. On était sur bien sur une attaque Harald. Avec Pacal dans l'autre sens. Pacal en premier, Aral en second. Une attaque solide. Vraiment, c'est oufissime hein, ce rapport. On a de l'autre côté bien Am euh, Amanitor en bidôme avec Artemis. Pourtant, quand on l'a regardé, c'était Zedobia. Mais ils ont peut-être soit Switch, soit un bug d'affichage, comme ça arrive hein, parfois. On a bien évidemment du côté de Pacal 22 millions de morts. De l'autre côté, 20. 9 millions 871 millions, autant dire. 871 000, autant dire. 30 millions, ça fait plus de 52 millions de morts, les amis. 52 millions de morts, c'est tout bonnement énorme ici. En puissance perdue cumulée, il y a 780 millions de puissance. 785 millions de puissance perdue sur ce rapport. Blessé grave, regardez ce nombre. 20 millions d'un côté, 27 millions de l'autre. C'est ça qui explique aussi la différence entre le moins 352 et le moins 434. L'écart serait moins grand, mais on a plus de blessés graves du côté de la porte. Donc une défense solide, la victoire à Malitor, même si la porte... A tenu, la porte a bien tenu, la victoire pardon, en puissance à Pacal. En termes de perte, ils ont moins perdu, mais au final, leur porte a tenu vraiment un rapport énormissime. Les DNT ont été solides. Il y avait un, deuxi un deuxième attaque en même temps, une deuxième attaque en même temps sur le côté, comme vous l'avez vu, un second rapport qui a attaqué bien évidemment Pacal. Il a perdu, c'était très probablement le contre-rallye. Hein. 1 million de morts du de blessés graves pardon, du côté de Pacal. 1 ,5 million 5 du côté de Gilgamesh. Normal, classique. Ça, je crois qu'on l'a vu. J'ai pas l'heure. Non, il était peut-être un peu tôt. Mais en tout cas, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs. Celui-là, c'était juste un des rapports. Alors, au niveau des bonus et des malus, hein, je vous ai dit, je l'avais. C'est assez impressionnant de comparer les deux. Puisqu'on voit Pacal a gagné assez largement. Et si on compare les bonus et les malus, regardez. Vraiment, ce rapport est ultra intéressant. Merci encore une fois au DN de m'avoir partagé ce rapport de manière très complète. Regardez, attaque de l'infanterie du côté de Pacal. Évidemment, on a des archers en face. L'avantage, plus 189%. Défense de l'infanterie, presque plus 200%. Avantage très large, évidemment, du côté de Pacal avec Aral, Santé de l'infanterie, pareil, plus du double du côté d'Aral. Attaque de cavalerie, c'est là que c'est intéressant. C'est le même chiffre des deux côtés. Aucun des cavaliers. Et pourtant, plus 162%. C'est énorme, les amis. Hein. Défense de cavalerie, plus 127%. Santé de cavalerie, plus 83%, 63%. Vraiment le bonus des deux côtés. À notre ami Pacal. C'est là où ça commence à avoir un côté à bonus côté Avalitor. Quand on arrive sur les archers, évidemment. Plus 154%. De l'autre côté, plus 246% d'attaque. C'est colossal. Si on compare l'attaque de l'infanterie du côté de Pacal. Et l'attaque des archers du côté d'Avalitor. Avalitor éclate Pacal en bonus d'attaque de, de troupes spécialisées. Défense d'archers. Là, il se fait latter malheureusement. Et on sait que c'est la défense qui est quand même plus supérieure à l'attaque. Et pour finir, la santé, seulement plus 106 du côté des archers. Contre la santé de l'infanterie, à a plus de 120 top. Donc déjà, c'est ça qui fait la différence. Sur les troupes spécialisées, en infanterie d'un côté, sur si les comparés aux archers, et eh bien, excepté en attaque ou en défense et en santé, ils perdent. Et on sait que attaque inférieure à défense, défense inférieure à santé. Donc plus vous êtes fort en défense et en santé face à l'adversaire, plus vous allez l'éclater. Sans côté, les bonus d'attaque et de défense qui sont propres à chaque troupe mis en face d'une autre qui est sa troupe de faiblesse je dirais pour finir attaque des unités de siège on s'en fout totalement défense des sièges et santé des unités de siège on s'en fout oui ou non quand vous chargez avec des sièges au niveau de la porte c'est quand même utile et là même pour le coup la défense et la santé côté pacal second était plus forte que nous apprend ce rapport et eh bien ce rapport il nous apprend tout simplement que Pacal Second, Rald, sont vraiment le bon binôme à mettre en face d'Amanitor et Artemis. Et même si Amanitor et Artemis restent un très très bon duo de défense, eh bien, ils se font éclater la tête totalement par ce binôme. On l'a vu au résultat. On va donc aller voir à présent la situation sur le KvK du 1860 et voir comment ça a évolué, voir s'ils ont craqué, voir s'ils si ont... Tenu, hop là, on s'y rend rapidement. On est passé Non, ils sont toujours les deux. Imperium. On se rend sur ce KvK de ouf. Est-ce que le 1860 a craqué Est-ce qu'ils ont tenu au niveau de leur porte On va voir ça tout de suite. C'était sur ce côté-là. Que c'était chaud. Apparemment, ils sont côté. Regardez là la, la bannière des, fo des, euh, des forteresses. Rise of forteresse Avec le nouveau KvK, on pourra plus difficilement faire ça, les amis. Ça va être vraiment très compliqué. Et je pense qu'on pourra plus simplement faire ça. Ou en mettre beaucoup moins du moins. Là, regardez, il y en a quoi Il y en a 30 à l'écran, il y en a combien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 forteresses à l'écran. C'est clairement n'importe quoi. Donc sur ce côté-là, c'est toujours les DN qui tiennent la porte. C'est toujours à quelle que soit l'heure où vous y allez c'est blind de monde, c'est bien les DL qui tiennent la porte. Non, c'est si c'est l'alliance du 860 hein, qui tient la porte. Est-ce que les forteresses brûlent Oui, elles brûlent. Ils ont réussi à passer énorme. Le 1860 est vraiment un royaume qui lâche rien, il est énormissime. Les amis, ce royaume et de l'autre côté, est-ce que leurs alliés ont fait le job Leurs alliés ont réussi à poser une forteresse ici ou c'est une impression des doubles z Non, c'est juste la même couleur. Ils n'ont pas réussi à passer. Est-ce qu'ils ont craqué Ils n'ont pas craqué non plus. Juste la porte. Il y avait une porte là, hein, quand même. Hein. Juste la porte. Attendez, je dis n'importe quoi. Non, il n'y a pas de porte ici. C'est juste des forteresses qui sont bloquées. Je dis n'importe quoi. Elle est là, la porte. Franchement, avoir autant de forteresses, ça me brûle les yeux. Est-ce qu'ils ont réussi à passer de l'autre côté? Est-ce que ça brûle? Ouais, ça a l'air de brûler. Ils ont réussi à passer aussi. Donc, vraiment, des deux côtés. Là, le 1860 et son allié, ils ne sont pas en 1 contre 6, ils seraient 2 contre 6 à la limite. Ah non, non, ce n'est pas, pas leurs alliés du tout. Parce qu'ils ne sont pas passés là, ils ne sont pas passés là. Non, non, ils sont vraiment tout seuls sur le côté, c'est juste le vert. Redonnez-moi les équipes, les amis, sur ce KvK, parce que là, je ne vois pas si on a un 1-1-6 ou si on a un 2 versus 6 6. Ou si je me trompe vraiment dans les équipes, ça a l'air assez atypique. Il y a dû avoir des embrouilles de ce côté-là. En tout cas, en Terre du Roi, ça va donner. Et le 1860 a réussi à faire craquer ce mur complet qu'ils avaient face à eux en prenant cette porte. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, les amis, qu'attendez-vous pour nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés en vous abonnant à la chaîne et cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites belle attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur ROCK.